Alors voilà, on a récupéré notre fond qui a bien posé au frigo. On va mettre un fond de crème d'amande. À quoi ça va servir cette crème d'amande? Dans la crème d'amande qu'on a fait tout à l'heure, ça va permettre d'éviter que le fond ne réhumidifie trop vite. Donc c'est une couche de protection de l'humidité. Et puis ça va donner un côté un petit peu moelleux, d'accord? Donc on va mettre un fond, on va pas mettre trop parce que le but c'est juste de protéger le fond, d'accord? Mais surtout, ça sert pas à garnir. Donc on va mettre vraiment légèrement, on va bien jusqu'au bout. Et là ça suffira en quantité, donc on va bien l'égaliser. Et vous allez voir qu'après en conservation, c'est intéressant parce qu'on peut le garder bien plus longtemps. Ça donne aussi un goût intéressant, hein. La crème d'amande, elle va toujours amener une saveur particulière et un petit peu de moelleux. Voilà, on met au four à 180 pendant 15-20 minutes. Alors ça dépend de vos fours, hein. Parfois c'est plus 25 minutes, 30 minutes, ça dépendra de votre four.